Bienvenue dans cette vidéo de sécurité informatique. Cette vidéo a pour but de vous présenter un moyen de garder à jour votre poste de travail, de vous faire une démonstration pratique. Présentation de la défragmentation. Cette option permet de garder propre votre disque dur. Il range de manière optimale votre disque dur. Passons maintenant à la pratique. Dans cette partie-là, je vais vous présenter deux manières de défragmenter. La manière de Windows et la manière de Glary. Nous allons donc défragmenter votre ordinateur. Allez sur votre explorateur de fichiers. Une fois la fenêtre ouverte, cliquez sur ce PC. Si vous avez différents disques durs de brancher dessus, clé USB compris, elles devront être affichées dans périphérique et lecture. Faites un clic droit sur l'une d'elles. Cliquez sur propriétés. Une page doit s'ouvrir devant vous. Allez maintenant dans Outils. Dans Outils, vous avez Optimiser et défragmenter le lecteur. Cliquez sur Optimiser. En cliquant sur Optimiser, vous avez les différents lecteurs qui sont branchés à votre ordinateur. Une fois que vous avez localisé le lecteur que vous voulez défragmenter, cliquez sur Optimiser. Patientez le temps de l'analyse. Une fois l'analyse terminée, vous pouvez passer au suivant si vous en avez d'autres. Cliquez sur Optimiser. Une fois l'optimisation terminée, cliquez sur Fermer. Vous pouvez maintenant fermer la propriété de votre disque dur. Vous pouvez fermer votre explorateur de fichiers. Glary a aussi la capacité d'optimiser votre disque dur. Si vous avez suivi le tuto sur Glary, vous savez comment installer et ouvrir Glary. Veuillez ouvrir Glary maintenant. En ouvrant Glary, vous arrivez sur cette page. Allez dans l'onglet Outils avancés, optimiser et améliorer. Dans Optimiser et améliorer, vous avez défragmenteur de disque. Cliquez dessus. Ici, vous avez un visuel plus graphique de votre disque dur ou les différents disques présents sur votre ordinateur. Plusieurs choses sont présentes devant vous. Vous pouvez soit analyser votre disque, les disques qui sont cochés, soit les défragmenter, ou soit les défragmenter et optimiser. Comme vous pouvez voir, il y a un avertissement marquant qu'il faut les utiliser qu'une seule fois par semaine. Vous avez aussi la possibilité de cocher éteindre l'ordinateur après la défragmentation. Je vous invite bien évidemment à le faire. Une fois que vous avez choisi les disques à défragmenter et choisi aussi l'option que vous voulez utiliser, vous pouvez cliquer sur défragmenter et optimiser. Laissez l'ordinateur travailler. Une fois la défragmentation terminée, vous pouvez fermer les fenêtres de Glary. Nous avons terminé avec cela. Merci d'avoir suivi le cours. Je vous remercie d'avoir consulté ce tutoriel.